Bonjour Didier. Bonjour Marina. Bienvenue. Merci, avec grand plaisir. Installez-vous, je vous en prie. On a tout mis en place avec aujourd'hui ce principe. Je vais vous confier ce superbe outil technologique. Oh là. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer sur les vignettes et écouter ce que nos entraîneurs de championnat ont à vous demander. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Je les aime tous, ils m'aiment tous. Je vais juste lui poser une question tout à fait tactique. C'est pour quelle raison il a changé de système, d'un système en 4-3-3, il est passé à un système à 3, comme un peu on joue nous. Ce qui m'a amené à modifier, c'est le positionnement par rapport à mes trois joueurs offensifs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et malgré tout, la difficulté que peut avoir l'adversaire face à une équipe qui sort le ballon avec trois défenseurs. Mais je pars toujours avec l'idée, c'est pas m'adapter à l'adversaire, c'est imposer à l'adversaire comment mon équipe peut être le plus dangereux, peut se créer le plus d'occasions par rapport à l'adversaire. Vous diriez que c'est un système qui est un peu à la mode, qui est un peu de tendance aujourd'hui ? C'est des tendances. Jusqu'à la victoire de Chelsea, ça faisait de très 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 longues années qu'il n'y avait pas une équipe qui gagne un titre majeur en jouant avec un système à trois. Hola Didier. Hola. Bueno, mi pregunta para ti, ¿cómo organizas tu tiempo entre los parones, entre que compites el último partido y el próximo? Pero sobre todo, ¿cómo organizas, no? Tu vida familiar, tu vida profesional también. Es bien curioso. Vaste question, hein, l'organisation du tout. La réalité, c'est que c'est pas du tout le même métier. Moi, j'ai des plages vraiment plus tranquilles où j'ai pas le terrain, pas assez malheureusement, parce que j'ai trop peu de séances avec une exigence qui est aussi importante, si ce n'est plus importante de résultats. Après, c'est un suivi, bien évidemment, contact avec les joueurs, mais il n'y a pas cette essence même qu'on a au quotidien. Moi, les joueurs, quand je les ai, ils viennent en stage, c'est H24 aussi, hein. Je me prépare aussi pour avoir l'énergie suffisante, avoir des plages de récupération où je peux m'appuyer aussi sur l'ensemble de mon staff. Mais je répète, c'est deux métiers totalement différents. Jocelyn. Bonjour Didier. Pour toi qui as été formé à Nantes, est-ce que tu pourrais nous donner trois principes que tu as retenu de Reynald Denouex et Jean-Claude Suedot? Moi, j'ai eu surtout affaire à Reynald les premières années, puis après j'ai basculé avec Coco. C'est toujours cette recherche dans le jeu avec le ballon et le jeu sans ballon. Comme Reynald et Coco, même si je suis pas tout à fait d'accord avec eux là-dessus, c'est ils attachent plus d'importance à la manière pour arriver au résultat. Alors c'est vrai que je dénigre pas et je renonce pas à la manière, mais le plus important, ça reste le résultat. Au très haut niveau, ça reste le résultat parce que ça conditionne énormément. Julien. Bonjour Didier. Tu m'excuseras cette question peut-être un petit peu indiscrète. Est-ce que c'est facile de travailler avec ton adjoint? Il le connaît bien. Il me semble. C'est pas beau de dire ça. Facile, oui, c'est facile. Après, il y a beaucoup de confiance, confiance totale. Grande complicité aussi. On se connaît parfaitement avec Guy. On n'a même pas besoin de mettre des mots. Des fois, seulement un regard suffit. Donc, comme dans un vieux couple, un peu. C'est une forme de couple professionnel. Couple professionnel, mais des fois, il y a des tensions aussi dans les vieux couples. Il y en a forcément eu aussi avec... Non, sincèrement, pas de tension, mais il peut y avoir des discussions avec... Et j'apprécie aussi, et j'ai besoin de ça, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. L'important, c'est l'échange et toute la réflexion qui en suit avant d'être amené à prendre des décisions. Et il y a souvent beaucoup de décisions importantes à prendre. Hop. Bonjour Didier. J'ai une question, peut-être à mon avis, la question la plus importante, parce que tu as gagné beaucoup de titres avec l'équipe nationale française. Comment je vais gagner les titres avec Lyon? Ah, j'ai pas de recette. Et c'est vrai que j'ai eu le bonheur de gagner des titres importants et le plus important avec l'équipe nationale. Il faut une alchimie à un moment, évidemment. C'est pas laisser le moins de place au hasard,
Mais ce n'est pas en accumulant le talent qu'on va forcément gagner. Moi, j'attache beaucoup d'importance sur la vie de groupe. C'est difficile, en occultant tous ces paramètres tactiques et techniques. Voilà, l'état d'esprit, le mental, ça doit être la base. Didier, ciao. Sicuramente mi interessa tanto quanti anni pensi ancora di rimanere in questa posizione. Bonne question. Je suis très heureux dans ma position et dans mon rôle de sélectionneur. C'est prévu jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Donc j'ai gagné 6 mois comme la Coupe du Monde est en mois de novembre, mais il y a toujours la possibilité, bien évidemment, de basculer, de revenir dans un club ou l'inverse aussi. Pour l'avenir, Didier, qu'est-ce que tu vois, dirigeant, directeur sportif? Ça y est. Est-ce qu'on a besoin de... Il m'a mis à la retraite. De grands personnages pour faire avancer le foot. J'aurai une vie après celle de sélectionneur. Sincèrement, je ne sais pas laquelle aujourd'hui, mais je sais qu'elle sera bien aussi. C'est plus un besoin que j'ai par rapport à ma tête et mon corps, cette adrénaline. Et aujourd'hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là. Donc être dans un bureau, diriger la fédération, non, comme même si c'est des fonctions, vous voit, par exemple, ça ne vous intéresse pas plus que ça? Pas aujourd'hui, non. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Et puis c'est quand même une fonction quand même qui est plus politique qu'homme de terrain. Que ça puisse m'intéresser à un moment, pourquoi pas, mais aujourd'hui, j'ai toujours besoin du terrain, de cette adrénaline. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Plus Didier. Plus tard. Merci à vous. Avec plaisir, merci. Allez les Bleus, merci beaucoup, Didier. À bientôt.